dans les a priori sur la gestion du temps. Ah, je travaille vachement mieux sous pression. Moi, dès que j'ai un coup de pression, dès que j'arrive au dernier moment, je travaille vachement mieux. Ouais, vous arrivez au résultat. Et c'est vrai qu'en général, vous travaillez mieux. Mais par contre, vous avez peut-être le reste du temps l'habitude de repousser les échéances, de procrastiner sur des tâches importantes à faire. Et ça vous met en stress, ça vous empêche de dormir, même si le résultat est satisfaisant en termes de bien-être, d'organisation. Bah, il y a des choses à progresser. L'autre a priori sur les temps, oh ouais, mais les gens qui planifient, qui sont organisés, carrés, rigoureux, oh non, moi je suis pas comme ça, quoi. Si je dois m'organiser, je perds ma liberté, quoi. Peut-être. Ou peut-être pas. Le fait de s'organiser, de planifier, c'est aussi une opportunité de pouvoir avoir beaucoup plus de moments de liberté, de gérer son temps et de ne pas manger sur du temps de loisir ou du temps de travail. À mon point de vue, le fait de s'organiser, de planifier, de gérer son temps, c'est vraiment l'opportunité d'être libre.